On a décidé ensuite, après s'être ouvert un peu l'esprit avec Francis, qui a bien rempli sa mission, je crois, de donner la parole, à commencer par des artistes qui travaillent avec l'outil, en commençant par Michael Boras, qui est peut-être plus connu sous son nom de système. Je vous laisse la parole. Je vais commencer à devenir ayatollah sur le temps, puisque effectivement on a une demi-heure de retard et vous avez vu qu'on a déjà une matinée sans pause, donc je ne peux même pas vous supprimer la pause pour Si, pouvoir si, on gagner va la du temps, supprimer, la etc. pause. On va supprimer la pause qui Ça n'existe pas. marche? Je te laisse la parole. Voilà. Un, deux, un, deux, vous m'entendez? Je crois. Ok, bonjour à tous et toutes. Déjà, je suis ravi d'être ici parmi vous. Je vous remercie pour cette invitation. Ça prouve que le ministère de la Culture est sensible aux enjeux actuels et futurs du numérique. Je suis Michael Boras, donc plus connu sous le nom de Système. Alors moi, pour le coup, ça ne fait pas 20 ans que je m'exprime en public, donc je vous demanderai d'être indulgent. Je suis le créateur du mouvement French Trash Touch. Je réalise des expositions à l'international d'art, que ce soit en ligne ou en factuel. En 2011, j'ai fondé le Super Art Modern Museum, SPAM, qui expose les créations numériques ou digitales, internationales, actuelles, sur une plateforme en ligne. Mais SPAM expose également ses différentes curations dans des lieux factuels, institutionnels et indépendants. Galeries, musées, lieux d'art alternatifs. La journée d'aujourd'hui a pour objectif d'analyser quel rôle joue Internet dans la diffusion des créations artistiques et l'accessibilité à ces cultures au plus grand nombre. Donc, pour être tout à fait précis, je vais vous lire les questions qui m'ont été posées, qui sont donc: comment faire connaître ses œuvres et toucher le public lorsque l'on est net artiste? Quels en sont les changements dans le rapport au public et dans la transmission de son œuvre? Comment transmettre ses œuvres sur un marché de l'art dépourvu de frontières avec le web? Quels sont les canaux privilégiés pour faire connaître ses œuvres? Et quelle place tient le marché des net artistes dans le marché global de l'art? Alors aujourd'hui, moi, je suis un artiste, je ne suis pas un théoricien. Donc, j'ai plus l'habitude d'expérimenter que de faire des longs discours. Donc, je vais vous raconter plutôt mon parcours et comment je suis passé de la peinture à l'art numérique. En aucun cas, il s'agit d'une analyse théorique sur l'art numérique, c'est uniquement mon expérience. Tout d'abord, je vais éteindre mon téléphone et je vous demanderai de faire la même chose, parce que, histoire de ne pas être dérangé par ma maman pendant ma conférence, parce qu'en général, elle m'envoie toujours des SMS. Pas avant la conférence, pas après, mais pile au moment où je commence. Donc, je préfère le faire tout de suite. Voilà. Ben voilà. Stumble.
1985, j'ai 12 ans, je vis dans une ville de province. Mon seul accès à la culture, c'est la bibliothèque de mon petit village, évidemment le système scolaire, l'école, la télé, la radio et la presse. À ce moment-là de ma vie, je rêve de devenir soit Balavoine, soit Renault, soit Rambo. Mais je ne suis pas un héros. Depuis, Balavoine est mort dans un accident d'hélicoptère, Renault a laissé béton et Stallone expose ses toiles dans un musée russe. Moi, je suis devenu artiste contemporain. En 1994, je réussis le concours d'entrée aux Beaux-Arts. Et à ce moment-là, je suis vraiment très loin des ordinateurs que j'estime sans âme. Je pratique la peinture essentiellement. J'expérimente diverses techniques artistiques et après 5 années, j'obtiens mon diplôme option peinture et art vidéo. À la sortie de l'école, évidemment, se posent à moi 2 questions. La première, c'est comment vais-je gagner ma vie ? Quel métier vais-je faire ? Et la deuxième, c'est vais-je continuer l'art ? Et si oui, comment vais-je faire connaître mon travail ? Nous sommes en 99, je fais quelques expositions en province, mais en gros, ça ne réunit pas plus de 10 personnes par jour dans les expos. À ce moment-là, mon entourage ne cesse de me répéter, évidemment, mais monte à Paris, c'est là-bas que ça se passe, aussi bien pour le boulot que pour l'art. Je m'installe donc à Paris, je cherche un vrai travail, et en parallèle, je fais le tour des galeries. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, les galeries sont le seul moyen pour les artistes de faire connaître leur travail et de commercialiser leur production. Donc je fais donc le tour des galeries avec toutes les contraintes et les glissements que ça implique, la présence physique, l'âge, le look, et ben, quand je monterai à Paris, etc., etc. C'est là que j'habiterai. Tout ceci influe forcément et engendre un manque d'objectivité sur le jugement du travail artistique, c'est évident. À ce propos, je pense que je fais partie de la dernière génération à avoir été obligé de suivre ce parcours des galeries. Aujourd'hui, Internet nous détache complètement de ce schéma-là, et tant mieux. Internet change totalement le rapport de l'artiste au marché et à son public. La plupart des œuvres sont aujourd'hui découvertes par le public, les galeries, les chaînes de télé, avant même que soit connue la personne physique qui se cache derrière ce travail. Internet a engendré ces mutations à la fois pour la musique, la littérature et évidemment pour l'art contemporain également. Plus besoin de passer son temps dans des vernissages en espérant rencontrer la personne qui va changer votre vie, en passant son temps à serrer des paluches. C'est terminé. Aujourd'hui, Twitter et Facebook sont un grand vernissage permanent et on peut contacter à peu près toutes les personnes, tant soit peu qu'elles soient connectées. Souvent, elles répondent. Donc, nous sommes donc en 99, j'ai 26 ans. Et à ce moment-là, je fais une rencontre décisive dans ma vie, ou plutôt 2 rencontres. La première, c'est le computer, l'ordinateur. Et la deuxième, c'est Internet. Un outil, un médium, un média. À Paris, mes potes me disent, tu sais, pour réussir et pour rencontrer des gens intéressants, il faut sortir, aller au Baron, machin, tout ça. Pas envie. Moi, j'ai juste envie de faire de l'art, de découvrir le web et d'expérimenter. L'ordinateur, pour moi, est l'outil idéal. Je peux faire de l'image, du son, de la vidéo et diffuser mon travail. Et tout ceci tient dans mes 20 mètres carrés, donc c'est parfait. Au départ, je crée mon site afin de mettre mes peintures en ligne et les rendre visibles. Mais très vite, je me dis qu'utiliser cet outil comme une vitrine est réducteur et je commence à investir le potentiel total. Mon travail, évidemment, se transforme. Je commence une première série de webfilms en réalisant mes propres images. Encore une fois, l'outil me propose beaucoup plus, une banque d'images et de sons infinies en fonction de mes recherches, et très vite, j'expérimente les techniques du mash-up, du net art, etc. Je diffuse mon travail en masse, je suis relativement connu pour être un artiste spammeur, avec les outils du moment, donc à l'époque, c'est les forums, les mailing lists, les blogs, et immédiatement, je me rends compte que ces pratiques fonctionnent et offrent des opportunités réelles. Cela m'amène à travailler en collaboration avec Bianca Jagger, Charlie Couture, des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement que par le web. Jamais. Je comprends que le web fera partie de ma vie pendant longtemps. Donc, en 2001, je décide de compiler mes webfilms au format VHS. Donc, à cette époque, un format déjà dépassé. Mais l'idée, c'est de transmettre, puisque je fais les allers-retours Paris-Provence,
je me rends compte aussi que tout le monde n'a pas accès à ce trésor que j'ai découvert. L'idée, c'est vraiment de transmettre ce que je fais sur le web, mon univers, à ceux qui n'ont ni Internet, ni lecteur DVD. Donc, une VHS. Je fais le tour des lieux de vente. Ma cassette sera en vente à la librairie du Palais de Tokyo, à Beaubourg et dans quelques lieux spécialisés. Au passage, j'en dépose une au journal Libération. Et à ma grande surprise, le lendemain, je suis contacté par une journaliste spécialisée en art numérique, Annie Crivoire, qui a complètement saisi ma démarche et me propose une interview. Ainsi, un premier article dans la presse nationale me légitimise en tant qu'artiste contemporain. À ma grande surprise, l'international s'intéresse également à moi. Évidemment, je ne sais pas par quel biais. J'ai tellement arrosé en masse que je ne sais pas, en gros, d'où ça vient et pourquoi. Donc, on me propose une première exposition en Corée du Sud, à Séoul, et l'année suivante, je deviens membre du jury d'un grand festival numérique, le CNEF. En 2004, je produis mon premier DVD, et en mars 2005, une initiative française va révolutionner la diffusion de la vidéo. Il s'agit de Dailymotion, suivi de près par YouTube. Au passage, j'en profite pour saluer les internautes qui suivent cette conférence en streaming sur Dailymotion. Cette grande révolution, pour nous, créateurs, c'est énorme. On peut enfin diffuser notre travail gratuitement, sans payer d'hébergement. Alors, on verra que par la suite, évidemment, il y a des inconvénients, mais bon. À ce moment-là, on se dit qu'on peut diffuser notre travail gratuitement, sans payer d'hébergement, dans une communauté ciblée qui va s'élargir au fil des années et se démocratiser. En gros, on part d'une exposition en province où je réunis à peine 10 personnes. Mon site que je mets en ligne dès ses débuts, qui réunit à peu près 200 personnes. Et aujourd'hui, certaines de mes vidéos qui réunissent plus de 100 000 vues. Donc, ce n'est pas 100 000 personnes, mais c'est à peu près ça. Donc, après, le troisième miracle, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Donc, 2006, Twitter, 2007, Facebook. Les artistes ont toujours un train d'avance sur ces plateformes parce que ils cherchent ces choses-là et donc ce sont souvent les premiers à les expérimenter, à jouer avec. Donc ces réseaux vont confirmer la profonde révolution de la communication. Les artistes s'en emparent pour diffuser leur travail, mais aussi ils s'en inspirent, ils en jouent, ils les détournent. Donc comme tout net artiste qui se respecte, j'expérimente au maximum les plateformes. Je cherche, je pousse les limites, ce qui me vaut de 2007 à 2012 un grand nombre de comptes supprimés, souvent sans explication, 3 comptes YouTube, 5 comptes MySpace, 7 comptes Facebook. Bon, en même temps, je sais ce que c'est qu'être une fille sur Facebook, etc., etc. Je sais quelles sont les limites de Facebook, de MySpace, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est du point de vue sociétal. Ces plateformes sont aussi intéressantes pour voir comment les gens se comportent en fonction des avatars qu'on utilise, etc. En parallèle, je continue à distribuer mon travail artistique, alors sur multiples supports, livres, DVD, tirages sur toile. L'idée, c'est vraiment que je veux faire sortir le web du web. Et d'autant plus que je me rends compte encore à cette époque que le public est encore très sensible à l'objet matérialisé et qui trace et fait date. Donc on est encore en 2007. Les marques et les médias commencent à s'intéresser aux créateurs en ligne et à considérer que même si les créateurs se diffusent eux-mêmes gratuitement, leur travail doit être rémunéré. S'enchaîne une série de commandes de vidéos, de web-séries pour des sites comme Eika, Libération. En gros, je commence à remporter des prix dans des festivals, des concours vidéo qui me permettent à peu près de continuer en tout cas à pratiquer mon art et à le financer. Évidemment, je travaille toujours en parallèle à côté dans des agences de pub ou autres, mais bon, voilà, on se rend compte qu'en tout cas, ça peut générer éventuellement de l'argent à cette époque. Donc, en 2011, je vis toujours à Paris. Margherita Belzerani m'invite à participer au pavillon Internet de la Biennale de Venise avec de nombreux artistes internationaux. Et à mon retour de Venise, je commence vraiment à m'interroger pourquoi rester à Paris, puisque la plupart de mon travail se réalise via Internet, conférences par Skype, échanges via les réseaux sociaux, diffusion de live audio-vidéo en streaming dans des lieux, peu importe. En gros, le village monde existe et j'en suis ravi. Je décide donc de repartir en province. Loyer moins cher, meilleure qualité de vie. En novembre 2011, je crée le Super Art Modern Museum. Ma motivation part d'un constat.
Les institutions ne nous exposent pas ou très peu, soit parce qu'elles n'ont pas encore vu l'art émergent des réseaux, ou parce qu'elles ne savent pas comment le présenter ou le monétiser. Le principe de spam est simple, pas de long discours hermétique, élitiste et excluant, des œuvres faciles d'accès avec une navigation instinctive, des artistes reconnus ou émergents sélectionnés par d'autres artistes. Un art pour tous, à la portée de tous. Spam est né. Les répercussions auprès à la fois des artistes et de la presse internationale sont immédiates. La première exposition en ligne a tellement de répercussions que le festival Transnumérique propose de réaliser la première exposition spam en factuel à Bruxelles, dans un lieu de 1000 m². Très vite, les choses s'enchaînent. J'organise d'autres expositions spam avec des curateurs différents pour chaque exposition. La première a été réalisée avec Thomas Chenezo. Spam Cupcake est réalisé avec Electra Radical. L'exposition est à peine en ligne que nous sommes contactés par une galerie de New York qui nous propose d'exposer cette curation physiquement en factuel. Donc, bah, super, on le fait. Une autre exposition Spam Safari avec la Turbo Avedon à Chicago, Bruxelles, New York, Chicago, Vancouver, Nuremberg et Caracas au Venezuela. Une exposition que je travaille avec Mio Van Stenis et Elena Acosta. Et là, l'exposition est à la fois en ligne et les œuvres sont exposées au Musée d'art contemporain de Caracas. Donc Spam rentre dans une institution. Là, nous sommes ravis. Prochainement, un Spam en Chine qui est prévu. Donc on va essayer de faire un maximum de pays. Donc l'art numérique s'expose à l'international, mais l'art numérique s'expose également en région. Donc depuis que je suis revenu en province, je développe également en partenariat avec la région Limousin un projet autour de l'art numérique, du patrimoine et de l'histoire. L'objectif est simple, c'est d'intéresser à travers l'outil numérique, les galeries, les institutions, d'intéresser à travers l'outil numérique les jeunes générations au patrimoine, à l'histoire, et de sensibiliser les générations non natives, digitales, au support et à l'art numérique. Spam expose les œuvres, Spam crée le lien entre les artistes, les galeries, les institutions, Spam met en lumière ces nouvelles pratiques, mais Spam n'a toujours rien à vendre. Donc, nous commençons à réfléchir également aux moyens de vendre ces œuvres, GIF, web, sous quelle forme et à quel prix. De nombreuses possibilités immatérielles et matérielles s'offrent à nous si les collectionneurs se détachent de l'objet d'art classique. Il semblerait que cela commence à s'opérer. Récemment, nous avons assisté à une vente aux enchères organisée par Lindsay Howard en partenariat avec Philips et Tumblr aux États-Unis, où ils ont vendu pour $90,000 d'œuvres numériques. Donc, à savoir qu'ils ont vendu des GIFs animés, des vidéos YouTube, des sites web, à chaque fois avec des recommandations spécifiques aux collectionneurs. Mais ça y est, enfin, et c'est vraiment très récent, c'était ce mois-ci. Donc, a priori, il y a des choses qui se passent. Il y a quelques années, on se posait déjà la question avec le street art, comment le conserver, doit-on le sortir de son support et j'aime bien comparer le street art au net art, parce que je trouve qu'il y a des similitudes, ce sont des pratiques qui détournent les codes, c'est un art qui va vers le public, hors des institutions, un moment ou un endroit où on ne s'y attend pas forcément. Déjà, ce sont ces similitudes. Alors, comment le conserver, comment le montrer, doit-on le sortir de son support initial? Pour moi, tout ça, ce sont... Alors, on pourra me contredire, mais pour moi, ce sont des fausses questions. Des alibis à ne pas exposer l'art émergent. Je pense que ces problématiques ont toujours existé. C'était le cas, à mon avis, avec la peinture, la photo, l'art vidéo, le land art, les performances. Voilà. Il y a fort à parier que demain, l'art du web fera largement partie du marché de l'art. Les initiatives d'exposition en ligne et factuelles, émergeant souvent des artistes eux-mêmes ou de curateurs privés, sont de plus en plus nombreuses. On se rend compte aussi que de plus en plus d'agences événementielles de marques, Absolute Vodka, Perrier, Ford, Galerie Lafayette, font appel de plus en plus aux artistes numériques. Les labels musicaux comme Noon Records sollicitent de plus en plus les artistes digitaux pour réaliser des clips. Aujourd'hui, la plupart des initiatives sont financées par les artistes eux-mêmes, des curateurs indépendants, des marques ou des partenaires privés. En gros, c'est aujourd'hui pour l'amour de l'art, à la force du poignet, que nous développons Spam. Avec, pour le moment, aucune subvention et quelques soutiens privés, comme Arte Créative, qui a toujours été un média précurseur dans la diffusion des médias numériques. C'est à nous, artistes, en partenariat avec des experts et les institutions, de définir les spécificités de cet art émergent, de créer de la valeur sur les œuvres que nous produisons.
c'est aux institutions et aux experts de nous accompagner dans notre démarche artistique. Moi, institution, je donnerai aux artistes numériques les moyens de travailler dans de meilleures conditions matérielles. Moi, institution, je donnerai plus de visibilité aux artistes du numérique vers les collectionneurs et vers les amateurs d'art. Moi, institution, je subventionnerai les initiatives et les événements des artistes digitaux. Moi, institution, j'encouragerai les chargés de mission à se rapprocher des artistes et curateurs des arts numériques présents en ligne. On a comparé l'arrivée du web à l'arrivée de l'imprimerie. Il y a fort à parier que pour le marché de l'art, une révolution aussi importante va s'opérer. Les artistes sont de plus en plus autonomes. Les arts du numérique révolutionnent la conception du marché en créant des diffusions alternatives. Alors évidemment, cette conférence aurait pu être réalisée à distance par Skype, mais je pense que nous aurions perdu toute la saveur du web, du digital et du numérique, à savoir que la finalité, c'est de se rencontrer en réel, d'échanger de vive voix, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je reste à votre disposition si vous désirez échanger. Nous ne sommes pas des robots. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup.